Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, ça va être un beau jour normalement. S'il n'y a pas l'autre clan d'autres, juste tu filmes et tu parles pas. Donc aujourd'hui, on va avoir la chance de passer 24 heures comme un riche, un milliardaire. On est venu dans un hôtel et la dame elle m'a dit quoi? Maman. Ah, maman elle appelle donc faut répondre. Que tu sois riche ou pas, que ta maman t'appelle, tu réponds tout de suite. Ok? J'arrive à l'hôtel avec Yacine, j'ai pris une petite chambre, j'avais pas fait le gamin pour le défi. La dame elle m'a dit quoi? On vous a surclassé. Dites-vous que là on est dans une villa de riches de malades et que juste à côté il y a une suite présidentielle, c'est-à-dire qu'il y a un président qui peut être dedans. Genre imaginez Emmanuel Macron à côté. Donc quand tu commences la journée dans une journée de riches, ici t'as ça un peu partout dans la chambre et tu contrôles tout. Par exemple là tu vois le rideau là, le rideau il est fermé, regarde, montre le rideau. Tu vois le rideau il est fermé, c'est pour ça qu'on a passé une vraie nuit. On va appuyer une fois ici et tu vois tout s'ouvre. Ça c'est incroyable. Au niveau de la nuit, les coussins et tout, franchement, tu fonds dedans. En vrai, c'est comme si tu étais dans de la neige et tu te reposes, c'est incroyable. On va quand même se réveiller. Là, on va tout simplement mettre, on va enlever ça. Ça, c'est pour les lumières de la nuit. On va mettre la lumière. Donc là, vous contrôlez vraiment tout. Voilà, regardez. Oh, il pleut! Oh, il pleut! Alhamdoulilah, c'est pas grave. Donc, on va se réveiller. On va dans la salle de bain directement. La salle de bain des riches, c'est incroyable. On a encore une tablette ici. On va allumer la lumière de la salle de bain. J'appuie, hop, tout s'allume. Ensuite, on allume la télé. Comme si les riches, ils vont dans la salle de bain, ils allument directement la télé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est ça, c'est incroyable. Hop. Et la vue en même temps. Wow. Pour le petit déjeuner, enfin. Ouais. Eux, ils ont ramené des fruits, des gâteaux et de l'alcool. Et ici aussi dans la chambre, il y a ça un peu partout. C'est-à-dire que tu peux leur laisser un mot parce qu'après ils vont venir faire leur chambre, je vais leur mettre un mot parce que c'est pas bien ce qu'ils font. Madame, j'ai mis bonjour, nous ne buvons pas d'alcool et j'ai une diète personnalisée. Je n'ai pas pu manger les fruits et les gâteaux. Ça, je suis dégoûté, ça a l'air d'être super bon. Et j'ai mis, est-ce possible d'avoir deux grandes assiettes pour manger? Parce qu'hier avec Yacine, on a mangé, mais c'est sale. Donc je laisse le mot là. On va voir si justement ils vont honorer leurs promesses et on va sortir directement les gars. Parce que toi tu vas à la rue, après tu restes pas là. Hein. Regardez. Normal. Oh c'est des bons. Ils ont un parapluie. Je suis en plein Paris, je sais même pas comment je vais faire. Pour survivre sans argent ici, on fait quoi? On va sonner chez les gens, on demande l'hospitalité. Et on me dire dégage ça. Verser là, ça va être chaud. Grave des voitures. C'est bon, la voie est libre. On se va aller faire du sport parce que même si je serais riche, faut pas lâcher le sport. Regarde, tout en pagaille. Hein. Dès que je reviens, normalement, on tout fait. On va au sport et regardez que l'ascenseur il s'ouvre. Il y a des hôtesses, c'est grave gênant. À chaque fois, je sais pas quoi dire. Allez, Younes, sois sérieux. Dis pas. Non, pas salam alaikum, c'est pas des musulmans. Dis bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour. Vas-y. Bonjour. Comment c'est gênant? C'est gênant. Let's go, c'est par là. C'est un avion. Après, je crois que j'irai à la piscine. Mais il y a un ascenseur. Pourquoi on n'atterrit pas directement là? J'avoue. Je t'ai dit, ferme ta bouche, t'as pas le droit de parler pour un autre ascenseur. Oh, yo, il y a 51 étages. Ouais. Attention, les caméras ici. C'est grave marrant, les rails. Je fais du rameur. Regardez, c'est de l'eau. J'aurais dû ramener la personne. J'aurais fait une machine à laver. Ça fait 5 minutes, ça suffit. Je pense qu'elle est déjà. J'ai rien ramené, ni bouteille d'eau, ni rien du tout. Ça, une serviette, il y a même des bananes. Il y a des bananes, pommes, jus de citron. Franchement, j'ai été dans plein de salles, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais c'est bon, on est chaud, on va commencer par des tractions et des pompes. Et au poids du corps, c'est incroyable. Avec le poids du corps, on va faire en mode lent, vous allez voir. Voilà. On en fait 8, après enchaîner direct pour le cœur, c'est bien. On se met là. Et on en fait 20. Mon dos est trop courbé. Gain. Je suis en sueur. La musique, elle m'énerve. S'ils donnent des écouteurs, ce serait incroyable. On va regarder. Ah, ça, c'est des poids. Ah, ils sont grave gentils. Ah, il y en a là. Est-ce qu'il y a iPhone? Ça serait incroyable, vraiment.
Non, c'est pas iPhone. Bon les gars, avant de partir, ce que j'aime bien faire dans toutes les salles, c'est que je prends les poids les plus lourds. Là, on a les 30 kilos. Oh, le mammouth. Et je vais essayer de faire des exercices bras avec. On va voir si j'y arrive. Je pense pas que je vais réussir en ça. Non, c'est trop lourd. C'est beaucoup trop lourd. Bon, on arrête, je suis KO. Je vous ai pas tout filmé, mais on va aller manger là. Je vais appeler la dame, elle va me ramener. Moi, j'en peux plus de marcher. Je vais me poser ici un instant. Je vais me reposer. On reprendra demain, c'est bon, je suis fatigué. Ah, ils ont fait la chambre, regardez. Oh, tout est refait. Oh, attends, on va voir ici s'ils ont des... Oh, c'est de la bombe atomique. Et ce matin, je vous promets, ce matin, j'avais cassé ça. J'avais peur qu'ils disent de repayer, ils l'ont remis. Et là, ils ont vidé l'eau. Je vais regarder s'ils ont mis l'assiette qu'on leur a demandé dans le mot. Attends, on va voir. Ils ont pris l'alcool, ils nous ont mis des nouvelles assiettes et des nouveaux couverts. Et ils ont laissé les gâteaux. Incroyable ça. Bon bah en vrai, je vais aller me laver, je vais juste leur demander s'ils peuvent m'apporter un repas. Je vais me mettre là-bas, c'est mieux. Oh. Allô oui, c'est la chambre 618. Est-ce que vous pourrez monter le repas s'il vous plaît? La taille de la douche. Wesh, c'est trop Théma, tu peux rentrer, tu peux faire des bombes dans la douche. C'est n'importe quoi. Et j'ai préparé mes affaires, regardez mes affaires par terre. Par contre, les gens, ils me regardent grave en bizarre parce que moi, je suis habillé comme ça et tout. Et je pense qu'il n'y a que des docteurs, des médecins. Et moi, partout où je vais jamais changer. Je vais toujours être avec mes survêtements. En bref, je vais me doucher vite fait. Là. Putain, j'ai pas d'abri, il pleut, frère. Je sors de la douche, c'était incroyable. T'as de l'espace, le shampoing il sent trop bon. La famille, n'oubliez pas, hein, partout où vous êtes, que vous soyez riche, pauvre ou ce que vous voulez, quand c'est l'heure de la prière, il faut la faire. Même quand vous partez en vacances et tout. Là, on vient de la faire, impeccable. Donc là, c'est l'heure de manger. Venez voir, ils m'ont ramené vraiment une bonne assiette diététique. Hop, on a de la salade, un steak, des pommes de terre frites. Ça, j'ai pas le droit les gâteaux, ça, j'ai pas le droit. Vous allez dire, ouais, t'es un forceur, t'es à l'hôtel, fais-toi plaisir. Mais hey, j'ai des objectifs. J'ai des objectifs et pendant 21 jours, je peux pas faire de cheat meal. Donc, je vais respecter. Je suis pas une tapée. Non, je suis pas un faible quand même. On va voir comme les riches. On va voir si c'est bien de faire ça. C'est l'air. Les riches prennent pas tout ça comme eau, une petite gorgée. Je te dis de parler, toi. Parle pas, c'est ma journée aujourd'hui. Je vais manger mon repas. D'ailleurs, tu vas te casser. Et je vais aller m'acheter des petits trucs là parce que il me faut des nouvelles baskets. On va aller dans les magasins de Paris, on va voir c'est comment. Des ascenseurs du quartier, regardez comment je suis habillé. Comme si j'étais à la maison. Ils vont me regarder de la tête aux pieds. Tu laisses que tu filmes. Et en fait, c'est des gens qui sont spécialement pour nous. C'est des gens, comment on appelle ça déjà? Majordome. Des majordomes. J'ai hâte de parler. Monsieur Pennyworth. Il est super beau. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? C'est aux réceptions. Regarde, viens derrière moi, regardez comment ils vont me regarder. Pourquoi il y a quoi? Regardez, mon costume est dingue. Ah, mais il pleut, faut vite aller au magasin. Ah ouais. Enfin, je vais les ranger, tiens, on va en avoir besoin. Bon, le gars avec mon petit parapluie, je vais aller courir, trouver une petite paire de chaussures. On va voir si ils ont de la dinguerie ici, parce que là, rien. On peut pas. Les gars, je sors du magasin et la vendeuse, elle m'a dit, c'est que pour les filles et les bébés. What? Bon, on est parti à Foot Locker. Franchement, j'ai trouvé cette veste. Elle est incroyable pour la pluie. Tais-toi. Donc, je vais repartir dehors. Elle est trop belle. Mais moi, je peux pas acheter ça. Parce que je fais du 45. Et ça me fait des maxi gros pieds. Celle-là est belle aussi. Waouh, avec des petits points là. Non, les requins, je peux pas, j'ai des trop gros pieds. Moi, il faut que des baskets comme ça. Tu vois, ça fait pas des gros pieds. On va voir si on trouve des. Wow. Oui, à la mairie de Paris, je vais rentrer dedans, ça va me faire un abri, ce mahalé. On va rajouter ça, c'est surveillé. Il est trop stylé. En vrai, pas ça.
je savais pas. Je mettais ça au lycée. J'aurais jamais cru que j'allais en remettre un de plus. Vas-y, on va aller prendre. On est en train de mettre le pantalon pour voir. On va essayer la veste maintenant. Moi, je fais taille M. Taille M, je pense que c'est carré, c'est la bonne taille. Après, M, c'est trop. On va voir le haut. La couleur, elle est vraiment spéciale. Je pense que c'est que à Paris que tu peux trouver sur vêtements. Oh, il est chillé. Avec les requins, ça va encore passer crème. Ça y est, les gars, l'addition est très salée. J'ai oublié que j'étais pas riche. Vas-y, c'est pas grave, c'est 24 heures riche. Là, on va aller faire un petit tour à la Fnac en vrai. On va voir à la Fnac. En parapluie, putain, je vais faire écraser, j'ai faim, j'en ai marre. Vas-y, c'est relou. Oh. On a un boulanger, regardez les prix. Ça, c'est un appareil pro, 7500 euros, le prix d'une voiture. Là, on a un deuxième appareil. Et là, 2006, c'est grave, c'est grave. J'en ai marre que tout le monde me regarde comme ça, comme un mec de quartier. J'ai décidé de m'habiller comme un parisien. Franchement, je vais partir sur cette tenue. Regardez dans la glace. On dirait que je travaille à la poubelle de la mairie. Les gars, ça fait longtemps qu'il n'y a pas un abonné qu'on a croisé. Genre, personne ne nous connaît ici. Moi, j'aime bien vous voir. Bon, là, vous me manquez. Là, je me sens tout seul. Chaque cadeau pour Myriam, regardez, je trouve quoi ? Monopoly Naruto, un jeu DBZ, un jeu One Piece. C'est un truc de malade. Vous avez vu, moi, je mets toujours du Nike. Parce que je préfère m'acheter beaucoup de petits trucs, genre une veste, pantalon et tout. Tu vas aller dans des marques de luxe, acheter un pantalon 500 euros, t'achètes que un pantalon. Je trouve que c'est éclaté, non ? Maman, à chaque fois, avant, je lui demandais de l'argent. Elle me disait, tu crois que je suis la Banque de France ? Elle est là, la Banque de France, juste en face de l'hôtel. Il y a un super rue là, faut que j'essaie de trouver un jus d'orange au moins, histoire que de me mettre bien, parce que là, c'est pas évident là. On sait là, est-ce qu'il y en a ? Je crois qu'il y en a, s'il vous plaît. C'est la pire journée de ma vie, j'en peux plus, je vais péter un câble. Il y a même pas de jus, frère. Là, je vais aller dans ma piscine personnelle, que pour moi. Et regardez, quand vous allez à la piscine, vous avez juste un casier. Et regardez ici, quand tu prends ton casier, il te donne ça, une serviette, des claquettes. En plus, pile poil, c'est ma taille, c'est incroyable. On va mettre toutes les affaires et il faut que je trouve un code que je me rappelle. Parce que si je me rappelle pas, je suis mort. Je pense que je vais faire 1, 2, 3, 4. Je suis en train d'hésiter si je prends le peignoir ou pas, mais ça me rappelle trop des mauvais souvenirs, donc je vais le laisser. Yes. C'est le moment piscine. On a tout ça. Un bon plongeon, ça se respecte. Je me ressaisis parce que Sofiane il va m'insulter. Attendez, je me ressaisis. Validé là. Derrière votre écran, vous faites les malins, c'est pas validé. Regardez-moi ma nage. Oh là là. Et je vais vous donner une technique. Non, en vrai, je pète la pas. Quand il y a beaucoup de gens à la piscine et vous voulez qu'ils partent, faites ça. Là, on dit les gens ils sont là, mais faites le pas. Hein. Dernière, les amis, on va essayer de faire toute la ligne. Dès que je vais dans une piscine, je dois faire toute la ligne sous l'eau. Allez, c'est parti, 3, 2, 1, go. Il y arrivera jamais, c'est sûr. S'il y arrive, non, il y arrivera pas. Il a toujours été nul sous l'eau. Regardez là, il en peut plus, il remonte. Là, il remonte, il en peut plus. Il voit qu'il reste pas longtemps. Voilà, c'est sûr. On a terminé la piscine et tout. Là, on va aller se détendre, la famille. Il y a un bain froid. Quand il n'y a pas un débile mental pour te pousser dedans, tu peux te détendre parce qu'après le sport, c'est important. Vas-y, on va rentrer. Que pour les gens, pour le foot, c'est incroyable, les frères. Mais je fais pas exprès, c'est congelé. Et dire que ce débile m'a jeté dedans. Pourquoi je fais ça? Ah, j'ai trop. Là, on a fini la piscine, c'est incroyable ça. On va prendre des petites serviettes. Vu que c'est à volonté. Ceux-là, s'ils sont grandes ou petites? Non, elles sont trop petites. Donnez-moi des grandes, s'il vous plaît. Ah là 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 là. Oui, pour tous ceux qui disent que j'ai la calvitie. C'est juste, regardez, quand je mets mes cheveux normal, j'ai pas. C'est juste que ma coupe. Elle demande quelques disproportions, regardez, quand je fais ma coupe, genre je me mets les cheveux en arrière comme ça. Hop. Voilà, il n'y a pas.
Alors comment ça marche le séchoir des riches? On est dans les toilettes, juste les toilettes, frère, c'est n'importe quoi. Ici vous avez des serviettes, déjà ça sent grave bon. Je peux mettre ton shampoing. Et là je peux mettre ta petite crème. Et ils font trop de cinéma, regardez les toilettes comment ils sont balèzes. Comment ils sont balèzes. C'est plus propre que chez moi je crois. Yacine il est en grande difficulté. Mais il avait qu'à pas me faire ça hier. Ah, je voulais me prendre un petit truc pour clignoter devant la télé là. Mais il n'y a que du sucre. Je peux rien manger, des tablettes de chocolat, des nougats. Oui. Je vois c'est qui. Oui. Ça y est, j'en peux plus. Faire foutre. C'est un malade, mais quoi, je vous disais. Oh là là, j'avoue, ça, ça se fait pas. On peut laisser rentrer, j'en peux plus vraiment. Vas-y, rentre. Ça y est, c'est ton défi. Ça t'a fait du bien? Non, ça y est, c'est plus possible. Et enlève tes baskets ici, on est pas comme ça. Je suis fatigué là, ça y est. Enlève tes baskets. Tout le monde enlève ses baskets ici. Ah, t'es bien, machallah. Un lit, un grand lit, sac footlocker. Ouais, j'ai le droit. Bien, ça profite ici. Toi, c'était comment? Ah, moi, c'était comment? Ah, ouais. Arrêtez de dire ceux qui ont de l'argent, ce n'est pas le bonheur. Quand t'as pas d'argent, tu peux rien faire. T'as accès à rien du tout. Même, tu peux pas manger. T'as pas demandé à quelqu'un dehors dans la rue? Ah, ouais, les gens ici, ils voient un arabe, ils disent même pas bonjour quand tu leur réponds. Quand tu leur dis bonjour, ils te répondent même pas. Vas-y, va te laver les mains parce que tu dois puer ça. Et je t'ai fait une petite surprise. Lave-toi les mains. Mais regarde pas la télé quand tu te laves les mains. T'as une télé? Ouais. Ah, bien. Lave-toi les mains. Juste, tu n'utilises pas mon savon. Non, ouais, tu utilises le savon claqué. Ça, tu me le laisses. Ça, ça c'est que pour les riches. J'ai été t'acheter. T'en vois pas parce que je sais que t'as pas mangé. Je peux manger? Je t'ai quand même suivi pour te filmer. Je peux manger? Oui. Oh yes. Yes, yes, yes. Je t'ai pris du pain de mie. Par contre, arrête le quinoa. Tu veux pas manger du descendu non, pour non, une fois? Non, ça y est. Fais-toi des sandwichs au pain de mie. Il est en train de se faire un big sandwich. J'ai faim. T'as pas mangé vraiment? Non, j'ai pas mangé. Dépêche-toi, tu vas pas rester longtemps ici. Hein. Quoi? Ouvre le micro-ondes. Tu vas remettre le quinoa encore. On va s'asseoir où pour manger? Bah par terre. Où par terre? Par terre là. Tu peux t'asseoir là, il y a un espace. Comment ça par terre? Mais par terre. My big sandwich. C'est bien. Non, désolé. Ça va Myriam? Oh. Allô? Allô? Ouais, salam alaikum, ça va Myriam? Ouais, toi? Ouais, passe-moi maman. Maman, elle a dit on vous a appelé. Oh, on a vu. Allô? Ouais, salam, ça va? Je vous ai appelé, vous n'avez pas répondu. Maman, j'ai envie de rentrer vraiment. Ah ouais? Quoi? Ouais, j'en peux plus. On arrive à la fin de la vidéo, c'est le moment de faire des valises. Deux choses, j'ai côtoyé des riches toute la journée. Il y en a la moitié, ils sont tranquilles. Et l'autre moitié, ils regardent mal, ils se prennent pour je sais pas qui. En vrai, même si vous devenez riche un jour, ne devenez jamais comme ces personnes-là. On est tous pareils, tous égaux. T'as de l'argent ou pas, c'est la même chose. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est si vous voulez avoir une maison comme ça, même incroyable, vivre tous les jours comme ça, je vais pas vous dire de bien travailler à l'école ou d'avoir un bon travail. Je vais vous dire de obéissez à Dieu, faites vos prières, soyez bons envers les gens et vous aurez le paradis. Le paradis, c'est mieux que ça. Ça, c'est la vie de ce monde. Ça dure pas longtemps, c'est éphémère. Viser le paradis, c'est le plus important. Et bien sûr, c'est pas interdit de vivre comme ça. Il n'y a pas de problème. Tant que vous restez des bonnes personnes. Moi, je vais vous laisser là. Ciao, ciao. Laissez un like, abonnez-vous.